Hey, Matelot, ici Devray. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison sur Minecraft. Une maison moderne, comme vous pouvez le voir, de petite taille. Hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais faire quelques petites maisons, quelques vidéos sur des petites maisons comme ça. Parce que voilà, comme ça, c'est plus rapide à faire. Et c'est vrai que ça change un peu par rapport aux grosses maisons que je faisais. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire aussi l'intérieur de la décoration d'intérieur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tutos pour la décoration d'intérieur aussi. Voilà, sur ce, on va commencer le tutoriel tout de suite. Voilà, on se retrouve sur une flat map et je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Ok, donc on va voir ici un petit pattern du coup qui est celui-ci qui va nous servir de démarrage. Alors munissez-vous des blocs de quartz lisse et on va faire une première ligne sur le sol de 11 blocs de quartz. D'accord? Ici, à partir de ce bloc là, jusqu'ici on en met 4 en hauteur. À partir de ce bloc là à côté, jusqu'ici on en met 5. Du coup, on va faire la partie en bois ici au centre. Vous prenez des planches de chêne noir, vous en mettez une ici comme ça, et vous mettez sur 10 blocs de hauteur. En haut ici, vous avez 4 blocs sur la largeur, et après vous redescendez pour remettre jusqu'en bas. Ok, maintenant en face de la partie ici de l'autre côté, vous reprenez les blocs de quartz et on en met 14. Donc une ligne de 14 jusque là. À partir de là, jusque là, on en met 4. Et à partir de là, jusqu'à là, normalement, il y en a 13. En face, du coup, ici, vous en mettez 7 sur la ligne. Et normalement, vous avez juste par rapport en bas, là, vous voyez, vous avez un bloc qui dépasse par rapport en bas. Ok, maintenant, vous prenez l'andésite poly. Ok, vous prenez le coin ici, vous en mettez une ligne en dessous tout simplement. Ça doit dépasser de 4 blocs et il y en a 5 en dessous. En dessous les quartz. Puis après à ce niveau là, vous en mettez une sur le devant. Ok, une fois qu'on a ça, on va continuer avec l'andésite. On va mettre une couche par devant, tac tac, paf, comme ça. Et comme ça aussi. Ok, on va même mettre tac tac comme ça. Ici, sur le devant, on va prendre les planches de chêne noire et on va faire tac tac comme ça, une couche aussi par devant. Paf. Paf. Comme ça. Et on va relier ici comme ça. D'accord? Donc pour l'instant, on a ça. On va venir reprendre les parties en quartz. Les blocs de quartz, hein, toutes les parties en quartz, en fait, on va les prolonger sur 10 blocs de longueur. Donc on prend ici, hein, par exemple ce mur là, on va le prolonger sur 10 blocs. Donc là on a déjà 3 blocs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Et puis on va faire un peu toute la forme de la maison comme ça, voilà, sur 10 blocs. Hein. Toutes les parties en quartz, on va les prolonger sur 10 blocs, ok. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors aussi, il faut faire attention à ne pas remplir cette zone là par exemple, hein. Je vous avais dit qu'il fallait prolonger toutes les parties en quartz sur 10 blocs. Mais là, comme on est au sol, on ne met pas de blocs à ce niveau-là. Ça sera le plancher ici. D'ailleurs, on va laisser 2 blocs ici de trous. On va creuser dans le sol. On va mettre les blocs de quartz dans le sol parce que ce sera l'emplacement de la porte. Ok. Donc maintenant, on va faire la partie en bois. On va reprendre les planches de chêne noire. Ok. On va les mettre comme ça. Hop, et on va les prolonger elle aussi du coup sur l'ensemble de la maison, sur 12 blocs pour le coup. Hein, donc à partir de là ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, donc ça dépasse d'un bloc à l'arrière de la maison. Et il faudra faire la même chose, hein, on remplit sur toute la forme. Au niveau du bas, on va laisser 3 blocs
de hauteur pour l'encadrage de la porte comme ça. Et la même chose en face. Hop, ok. Et sinon, tout le reste, tac, 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 comme ça. Alors, jusque là. Hop, ok. Tout le reste, on va faire la même chose, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, vous avez compris l'idée. Après, on complète le tout. Hop. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre les planches de chêne. Et vous voyez un peu le résultat, du coup, aussi, hein. Hop, je vous montre bien. Yep. Alors, les planches de chêne, je disais. On va venir ici sur cette partie-là, vous voyez. On va venir mettre des planches de chêne ici, comme ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ok. Et puis, jusqu'au plafond. Hop. Hop. On va, sur ce côté-là, sur cette partie-là ici, on va laisser un bloc à ce niveau là et puis on va mettre trois blocs comme ça, d'accord, pareil jusqu'au plafond. Hop, tac tac tac. Alors maintenant ça serait bien de faire cette partie là aussi. Alors elle fait 10 blocs de long, ok, donc on va revenir reprendre nos andésites polies, ok, et on va faire 1 2. Alors on va laisser la place pour une porte. Hop. Alors, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tac, tac, comme ça. Donc on laisse un emplacement pour la porte, hein, 3 de haut sur 2 de large. Et ici, on complète. Puis, on va dans ce sens-là. Et on fait la même chose qu'en face. Voilà. Et jusque-là, voilà. Maintenant, comme ça, on rejoint. Hop, et puis au-dessus, pareil, on fait tout le plafond, hop, comme ça. Alors, bon, alors, on va directement faire le sol. Alors, le sol, on va le faire en roche lisse. Voilà, donc là, c'est dalle, mais moi, je veux des roches lisses pleines parce que j'aime bien gaspiller de la ressource. Voilà, 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 voilà. Donc, on enlève le sol, voilà, 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 et on va mettre de la roche lisse à la place. Hop, hop, et voilà. Hop, ici c'est bon. La même chose ici. Hop, hop. Vous voyez du coup ce que ça donne. Hop, ici pareil. On va mettre de la vitre quand même, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. On les met ici, notamment. Tac, 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 tac. Sur toute la longueur. Hop. Voilà, on la met au-dessus ici, tac, 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 et sur toute la surface ici, et ça sera la même chose de l'autre côté. Hop, voilà, pareil ici, et la même chose de l'autre côté bien sûr là-bas, et ici pareil, hop, hop. Et au centre évidemment de la grande partie ici, en bois. Hop, on va en mettre aussi au-dessus des portes, comme d'habitude, parce que c'est vrai que ça marche bien, hein. On pourrait faire d'autres, j'essaierai de trouver d'autres façons de faire des portes la prochaine fois, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ça comme ça. Bref, ici à l'intérieur, on va prendre les escaliers en bois de chêne noir, et on va en mettre 3 comme ça à côté de la porte, ok. Youp, on va mettre 2 escaliers comme ça. 2 planches comme ça, puis 2 escaliers comme ça, ok. Puis après des planches comme ça aussi sur 2 blocs. Et on va faire une ouverture, 2 ouvertures pour accéder aux différentes pièces, évidemment de la maison. Tac, 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 tac. Et puis voilà. Donc en face. Ici, donc, je vous invite à prendre, voilà, en face de la porte à ce niveau-là, on va faire une autre porte ici. Ok. Tac, tac. Alors, oula, c'est exactement ce que je voulais faire. Ici, donc, on va prendre des dalles en quartz. Tac, tac, on va les mettre ici. Puis après, on va prendre des barrières en bois de chêne. Hop, hop, hop.
Et on va faire, voilà, une petite terrasse, finalement, n'est-ce pas? Alors, on va faire la partie du parking, en gros, c'est-à-dire on va prendre ici, là, les blocs de charbon, vous voyez, et on va les mettre sur 5 blocs de large. Donc, vous prenez le mur ici, vous comptez un bloc de décalage, et on va faire un sillon ici, comme ça. Hop, la route elle-même, l'espèce de petite route qu'on va faire, peut être aussi là, aussi longue que vous voulez pour pouvoir rattraper la route que vous avez sur votre carte, sur votre map, sur vos serveurs, etc. Donc, l'idée c'est d'avoir une route de 5 blocs de large. Ok, on creuse dans le sol sur 5 blocs et on la fait aller aussi loin qu'on veut finalement. Hop, voilà. Puis après, on remplit avec des blocs de charbon. Hop, hop. Et puis, on va faire des petits passages du coup pour accéder aux portes sans. Bah, il n'y a pas de porte encore, mais on va mettre ça en place. Des portes comme ça, voilà. Paf, paf. Paf. Et puis voilà, on va mettre dans le sol des petits passages quand même pour que ça soit plus simple, plus sympa. On va les mettre en gravier par exemple. C'est bien le gravier, c'est bon. Mangez-en. Non, je déconne, ne faites pas ça. Je trouve pas le gravier. Gras. Gravier. Hop. Alors, on va venir prendre de la vitre noire ou de la vitre grise. Je crois que c'est grise. Voilà, vitre grise. On va prendre de la vitre grise et on va faire quelque chose que j'aime bien, qui est assez stylé, je trouve. On va faire, hop, vous voyez, deux vitres comme ça qu'on va faire monter jusqu'au plafond. Et ça nous fait une espèce de pilier, une espèce de colonne, mais en verre, on voit au travers et tout. Et je trouve ça vachement design, vachement sympa. Ça fait très moderne du coup. On va espacer deux, trois blocs par exemple, les piliers, et on va faire un deuxième ici, hop, comme ça. Vous voyez? Moi, je trouve ça bien, je trouve ça vraiment stylé pour le coup. Ok, on va aller sur le toit, on va mettre les panneaux solaires ou les capteurs de lumière. Hop, voilà, on va les mettre sur combien du coup de large? Je sais même plus. Sur 11 blocs, très bien. On va devoir prendre les panneaux solaires, donc on va compter 1, 2, 3 blocs ici. La même chose de l'autre côté. Hop, on va les mettre tous en mode bleu, vous voyez les panneaux solaires. Et donc sur 11 blocs, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tac, 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 tac. Et voilà, maintenant on remplit toute la surface. Hop. Alors, pour le toit, on est bon. Alors, on va faire un petit trou autour de la maison à ce niveau-là. D'accord? Donc, vous prenez le coin ici, vous creusez sur 4 blocs sur le côté. D'accord? Sur 7 blocs par devant la maison. Donc, 4 ici, 7 jusque-là. Et normalement, vous arrivez ici. Et vous faites un trou de 7 blocs de large. Ici, vous voyez, toute cette bande-là fait 7 blocs de large. Donc vous avez, hop, 3 blocs ici à côté de la maison, hein. Donc 4 plus 3 ça fait 7. Vous le faites sur 22 blocs de longueur, d'accord, jusqu'à arriver là-bas. Et là pareil, 7 blocs de large et vous arrivez ici comme ça. En fait, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est qu'on va mettre une espèce de petite. C'est pas un jardin du coup, vu qu'il n'y a que des cailloux, mais je sais pas. On va mettre ça. On va mettre ça, c'est-à-dire tout un espèce de melting pot. Avec tout un tas de choses. On va mettre du gravier, de la pierre taillée, de la roche, de la pierre classique. Et on va tout mélanger tout ça. De sorte que ça donne un aspect un peu sympa, comme ça, un peu mosaïque. Ok, donc on les met de manière très aléatoire. Hop, un peu comme ça, vous voyez. Hop, 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 hop. Puis après, là, l'andésite, un peu comme ça. Hop, roche lisse. Hop. Gravier, il est où le gravier? J'ai plus le gravier. Hop. Et du gravier. Et on mélange tout ça joyeusement. Voilà. Et puis on remplit toute la surface comme ça. Hop. Ok. Donc ça nous donne ça. On va utiliser du coup les feuilles d'azalée. On va venir ici sur le coin. On va mettre. Hop, trois feuilles comme ça sur le côté de la maison. Ici, on va compter
deux blocs d'espace et on va mettre deux, puis trois ici avec deux blocs d'espace à chaque fois, et on va répéter le pattern, hein. Deux blocs d'espace on en met deux, deux blocs d'espace on en met trois, deux blocs d'espace deux, etc, etc. Voilà. Et pour la petite touche déco, on va rajouter un tapis vert au-dessus des feuilles. Vous voyez, tac, tac, tac. Pour le côté sympa. On va faire aussi un peu la même chose à l'arrière de la maison, ok, à l'arrière de la... Pas du parking, mais... juste une sorte de parking. Hop, ici, là, on va mettre deux... Hop. Deux blocs de feuilles comme ça, disposés en bâton un peu ici comme ça. Et puis, on va faire des petits arbres aussi sur le côté de la maison. Vous allez voir. Hop, faudra faire les lumières aussi d'ailleurs. Alors, les petits arbres, enfin les petits, ils sont plus grands que la maison, mais... Donc, youp, on va prendre des barrières en chêne, voyez-vous. On va venir ici sur le côté de la maison, on va compter à peu près les 3 blocs ici comme ça, puis 1, 2, 3, 4, ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis après on prend des feuilles d'azalée. C'est bien les feuilles d'azalée, alors vous pouvez prendre autre chose, bien sûr, si vous êtes en survie et que vous avez des difficultés à trouver ce genre de feuilles, prenez d'autres types de feuilles, vous embêtez pas. Moi j'aime bien les azalées parce que c'est joli, c'est assez dense en fait. On fait une forme comme ça en croix. Hop, que l'on fait monter sur 5-6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça. Sur la partie basse, on en rajoute sur les coins, comme ça vous voyez, puis on rajoute un au-dessus. Et puis on fait exactement la même chose en décalant ici, hop, 2, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Sixième bloc, on remet, hop, un arbre à ce niveau là. Ok, maintenant un truc assez sympa aussi, on va utiliser des trappes en bois de chêne. On va venir sur le devant de la maison, au dessus de la route, et on va venir en mettre ici sur 3 blocs de large sur tout le dessous de la maison. Mais l'intérêt, c'est qu'on va aussi, hop, les mettre comme ça à l'arrière et surtout à l'avant de la maison. Un peu sur 5-6 blocs devant. 1, 2, 3, 4 blocs. 4 blocs par devant. Est-ce que c'était 4 blocs? J'avais mis combien? Je sais même plus. J'avais mis 3 blocs. Bon, 4 blocs ça marche aussi. Alors, on va utiliser des blocs de verre et des pierres lumineuses. Hop. Pierre. Yop. On va mettre... deux trous dans le sol comme ça, des trous dans le sol, et puis la même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Au fond, des pierres lumineuses, hop, et puis du verre par-dessus. Hop. Voilà, bon, bah, on commence à avoir fait, un peu de chemin. Il me semble... qu'on avait mis quelques fleurs aussi à l'arrière, histoire de donner encore quelques trucs, touches de couleur. Des rosiers sur le côté, des pivoines sur le devant. Quelques pots de fleurs aussi, du coup, effectivement. Alors, les pots de fleurs. Hop, voilà. Yep. Et ainsi que quelques trappes sur le côté de la terrasse. Alors, les pots de fleurs. Genre, juste ici, par exemple. Avec bah, des tulipes dessus, très bien. Hop, des rosiers ici, 1, 2, 3, espacé d'un bloc, pourquoi pas. Et pareil ici, juste 2, c'est très bien. Et puis les trappes, hop, comme ça, on va en mettre hop, sur 3 blocs de longueur, comme ça. Et puis on est pas mal. Et puis on est pas mal, donc voilà, si jamais vous avez envie de voir la décoration d'intérieur de cette maison là, bien n'hésitez pas à le demander en commentaire pour avoir un tutoriel spécialement là-dessus, et je verrai si jamais vous êtes suffisamment à être intéressé par ça, et bien je ferai un tuto pour la déco d'intérieur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, je vous souhaite
un très bon jeu et bon vent, Matelot.